On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Hey, tu portes l'une des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonie, énormément de pompe. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père? Ouvrez. Va-t'en, je vais les distraire. Quoi? Tu me jettes dehors? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pommerée. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez! Seigneur! Ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas? Nous sommes aux trousses d'un intrus, mademoiselle de la Fère.